Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Pour ce cours en live, j'ouvre encore quelques fenêtres et je suis à toi. Tu peux me dire si le son est bon, si tu m'entends bien, si la musique est bien équilibrée avec le reste. Dans tous les cas, je suis très, très heureux de te voir. On va avoir un cours génial, mais avant, un petit peu d'improvisation. Harmonica en C, improvise, tire le 4, fais des solos, je te laisse la place et on échange. Est-ce que tu entends? Oh, pas de son, un instant, on va aller voir. Ah, mais tu devrais avoir du son. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que vous avez du son? Parfait! La musique est un peu forte, je te règle ça à l'instant. Comme ça, ça devrait être mieux, je crois. Dernier 12 bars solo! Bonjour Jérôme, Denis, Karachi, Christophe, Kroon, Yves, Tim, Jean-Pierre, Gérald. Aujourd'hui, on va voir du tongue block. Et bien sûr, on va voir comment introduire du vibrato dans ton jeu. Je baisse le volume. Voilà. Si tu as des questions, tu peux les écrire. Je vais essayer d'y répondre. Je vais garder des moments pour des questions. Aujourd'hui, on a un beau cours chargé en direct avec moi, avec toi, avec toutes les vaudevillois et vaudevilloises de ce monde qui ont l'intérêt de transformer leur jeu blues pour aller au prochain niveau. Bonjour de Belgique, de Bordeaux. Jean-Pierre, comment bender en tongue block? Ne t'en fais pas, on va en parler aujourd'hui. Salut Alain! Ok. J'arrête la... Ok, je vais finir le 12 bar. Bonjour Céline! Didier! Voilà! Vibrato dans les aigus, oui Jean-Pierre, on va couvrir tout ça. Salut Ludo! Hey, ça faisait longtemps. Michael. Bon, si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche pour être averti de la sortie de mes tutoriels et de mes cours en direct, comme ça tu ne manqueras rien. Aujourd'hui, après ce cours, tu vas avoir appris... Tu vas savoir, tu vas être capable d'intégrer dans ton jeu du tongue block. Selon ton niveau, tu vas avoir différentes options. Je vais te partager 3 astuces et tu vas pouvoir en profiter et les intégrer petit à petit. Si tu n'as jamais fait de tongue block, ne t'en fais pas. Je vais te l'expliquer et tu vas savoir comment intégrer lentement mais sûrement du tongue block dans ton jeu. Tu vas apprendre une pièce de blues avec percussion parce que j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que c'était une belle chose à faire avec leurs enfants. Donc, on va l'intégrer. Je vais sortir l'enfant en toi. Et bien sûr, si tu es un adulte, ne t'en fais pas. Ça va être une super belle pièce blues que tu pourras jouer dans tous les cas. Et on va commencer avec la première astuce pour intégrer, travailler, améliorer, raffiner ou tout simplement faire du vibrato à l'harmonica. Dans les graves, dans les aigus, on va couvrir tout ça. Aujourd'hui, je te fais une introduction et je vais te faire un spécial vibrato en profondeur dans le prochain live. Si tu veux encore plus d'astuces blues, regarde dans la description de ce cours. J'ai mon cours Vaudeville Blues qui va t'apprendre en 6 semaines à transformer ton jeu, à jouer des riffs, des mélodies, des licks, à improviser, surtout à jouer avec un guitariste qui t'accompagne et avec d'autres harmonicistes. Parce que oui, on peut être plusieurs harmonicistes, s'accompagner, jouer, rire et échanger. Je suis certain que tu comprends la référence.
Tac, tac, tac. Dis-nous de quel pays, ville tu écoutes ceci et prends ton harmonica en do. Si c'est la première fois que tu découvres l'harmonica, je te conseille d'aller sur mon site harmonicavaudeville.com. Tu peux te procurer ma méthode Harmonica 101. C'est gratuit. Ça va t'apprendre à tenir ton instrument, à jouer tes premières mélodies, à isoler les trous. Bref, à commencer du bon pied. On commence tout de suite avec trois astuces avant. Oui, je veux faire une petite annonce parce que dans le groupe Facebook Harmonica Vaudeville, jouer, rire, échanger, dans les premières personnes qui ont embarqué dans ce beau projet-là, il y a une superbe humaine qui s'appelle Coco, qui travaille dans les soins infirmiers et qui apporte son instrument, son harmonica, et qui en joue aux personnes qui l'entourent, aux patients, aux corps travaillants, pour amener un petit peu de joie. Elle a mis des photos aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien de voir qu'il y a des gens qui comprennent que la musique n'est pas une question de performance, mais une question de partage, une question de plaisir, de partage de plaisir. Et de là, toutes tes craintes que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez de niveau, ne tiennent plus la route quand tu partages du plaisir. Alors je t'encourage à prendre ton téléphone, ton ordi, appelle quelqu'un que tu aimes, appelle quelqu'un que ça fait longtemps, communique par Internet et joue-lui une simple mélodie. Ça va tellement lui faire et te faire du bien. Maintenant, on commence. Trois astuces pour le blues. Je vais te partager la première. Généralement, je commence débutant et je vais vers l'avancé. Aujourd'hui, je vais renverser ça. Je vais commencer intermédiaire et si tu es plus débutant, écoute, tu vas apprendre beaucoup et tu vas être capable, dans tous les cas, de jouer la troisième astuce à ton niveau. Première astuce, pourquoi jouer du tongue block ou plus saut? Ah, bonjour, Ruillon. Je pratique mon vocabulaire, ça me fait tellement du bien. Eric, salut. Écoute, pourquoi jouer du tongue block? C'est une technique qui est très fréquente dans le vieux blues. Il y a une école de pensée qui dit le tongue block, c'est la technique supérieure. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le poker, isolé avec les lèvres. Je te dis, apprends les deux. Tu pourras faire tes choix par après. Je te conseille de gérer les deux techniques. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que j'entends par tongue block? C'est au lieu d'isoler avec les lèvres, j'ai un accord. J'aspire plusieurs trous et ma langue va aller bloquer, boucher, obstruer les trous que je ne veux pas. Exemple, si je veux tirer le 4. Bonjour Sébastien. Et que je ne veux pas avoir les trous 1, 2, 3, je vais aspirer 1, 2, 3, 4. Salut Pierrick. Oh, Michel est là. Super. Et ma langue va aller bloquer les trous 1, 2, 3. J'aspire les 4 trous et ensuite ma langue va aller vers la gauche et bloquer. Ce qui fait que j'ai une ouverture à droite. Je ne vais pas te faire un cours de comment faire le tongue block parce que j'ai une superbe playlist que je te partage à l'instant le lien. Avec ça, j'ai plusieurs tutos pour t'enseigner le tongue block. Mais aujourd'hui, je vais te parler de comment l'intégrer si tu en fais déjà et te le faire goûter si tu as jamais entendu parler de cette technique fabuleuse. On va prendre le riff qu'on a déjà composé ensemble, le riff numéro 1. Je te partage la partition. Le riff qui faisait, rappelle-toi, banan, banan, anana, anana. Je vais me concentrer sur les deux premières bananes, ce qui veut dire tire 2, tire l'accord, 1, 2, 3, tire 3 et tire l'accord. Si on le mettait en blues, ça faisait baby, baby. Joue toujours du blues longue, brève et non égale, ce qui veut dire longue, brève, longue. Et si je le fais sur un riff répétitif, confirme-moi que tu entends bien et que pour certains, certaines, oh wow, Joseph du Maroc, salut! Confirme-moi que tu entends bien et moi je vais te rejouer la lick sans tongue block. Ça, c'est le riff. Si j'intègre du tongue block, une manière simple, c'est de définir mieux ta ligne de basse par rapport à tes accords. Dans ce cas-ci, la ligne de basse, c'est le 2 tiré et le 3 tiré. En interaction avec les accords. Donc,
Le 2 et le 3, je veux qu'on l'entende. Je veux qu'on sente que c'est un deuxième instrument. Pour ça, merci Christophe, Didier, Bob. OK, c'est bon ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer la slap. J'ai un tutoriel sur la slap. Tu peux chercher Harmonica Vaudeville, slap, tongue block. Tu vas le trouver. Il est dans la playlist. La slap, c'est que ma langue va isoler le trou, mais en décalage, en retard. Ça crée un genre de, qu'est-ce qu'on appelle un flam? Fait qu'il y a comme un deux coups. T'as la note et t'as comme un une slap. Je te le montre. Donc, j'aspire un et deux. Et ma langue va attaquer comme un serpent. Le premier trou pour le bloquer, mais en retard. Donc, au lieu d'entendre... Oui, Jean-Pierre, je vais mettre de la slap à l'instant. Regardez bien. Un, deux. Et ça, c'est ma langue comme un serpent qui attaque le 1. Oh, Marie-Liliane, c'est cool, la communauté vaudevillois et vaudevilloise est là. Si tu veux plus d'échanges, viens sur le groupe Facebook Harmonica Vaudeville, jouer et échanger, une communauté fabuleuse d'entraide, d'encouragement, de motivation et de respect, dont je suis très, très heureux et fier de faire partie. Maintenant, tu as entendu la slap. Si j'intègre ça au riff, je vais faire slap le 2, libère pour l'accord, slap le 3, libère pour l'accord. Pour le 3, ça va être la même technique, j'aspire un 2, 3, et ma langue va attaquer comme un serpent le trou 1 et 2 comme des petites souris que je vais dévorer. Ce qui fait que si je fais slap le 2, libère pour l'accord, slap le 3, libère pour l'accord, tu vas entendre ceci. Comparativement, si je le fais avec les lèvres seulement sans jeu de langue. C'est plus propre, c'est pas moins précis, c'est pas moins clair, c'est juste deux couleurs différentes que je te conseille d'explorer et d'intégrer dans ton jeu pour varier. Bonsoir Philippe. Donc, je répète. Versus. Très, très fréquent, cette technique, autant dans du boogie, sans la slap. Et avec la slap. Donc, ça, c'était la première astuce à comprendre, la slap, le terme. Ne serait-ce que pour comprendre le terme, ça va aider énormément. Ensuite, il faut que tu comprennes que tu peux slapper partout, autant dans des notes, mais pour le moment, dans ton riff, peu importe le riff que tu fais, tu vas voir que dans le vieux style blues, il y en a beaucoup. Dans le style moderne, c'est un contrat souvent du tongue block, du poker ou isolé avec les lèvres, qui va te permettre d'avoir un jeu avec beaucoup plus de subtilité. Chaque technique te donne des couleurs particulières et si tu peux pousser le plus loin possible chacune d'elles, ça va te donner des nouvelles couleurs. Bonjour Jean-Philippe! Fait que ça, c'était la première astuce, la slap. Au moins, connaître le terme va déjà guider. L'avoir entendu vient te faire apprécier, même si tu ne peux pas cuisiner un mets, d'y goûter, tu es déjà plus exigeant quand tu manges de la musique ou de la nourriture. Oui, Joseph, c'est difficile de maintenir le souffle et surtout si vous commencez le tongue block. De là, ne vous en faites pas, c'est juste trois astuces. Vous prenez celle qui vous va le mieux. Maintenant, on va aller à la deuxième astuce ou avez-vous des questions par rapport à la slap? Durant ce temps-là, je vais te montrer que je peux répéter le riff. Non, je vais l'intégrer dans le riff numéro 2. Je ne le montre pas ici. Le temps que vos questions arrivent, je vais mettre de la slap dans le riff numéro 2. C'est sûr que quand tu vas avoir à slapper le 1, ta langue ne pourra pas aller isoler les trous à gauche parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu vas déplacer ta langue vers la droite. Ça crée un nouveau niveau de difficulté. Donne-toi une chance. C'est pas obligé d'être aujourd'hui. Tu le maîtrises. Bonjour, El Desperando. Desperado. Tongue flutter, ça va être pour un autre cas. Oui, ça, c'est des techniques encore plus avancées de tongue block, mais déjà la slap en est une belle. Aujourd'hui, on ne va pas couvrir, Jean-Pierre, le flutter, parce que j'ai d'autres choses de très cool à vous parler. C'est comment
intégrer le tongue block avec des licks. Ça, ça rajoute encore une fois des accents, ça rajoute de la vie, ça rajoute du rythme, ça rajoute aussi de la largeur, de la dimension, de sortir du cadre d'une note toujours, des fois de rajouter un moment d'octave peut être très intéressant. Pour ça, je vais me servir tout simplement de la lick. Un instant. Ah oui, OK. Tiens, je vais me servir de la lick 10 de mon cours Vaudeville Blues. À travers le cours, on voit plusieurs licks, mais là-dedans, tu vas apprendre une lick. Je te la joue une fois. Ça fait encore banan, banan, anana, anana. Je voulais garder un peu le même rythme que le riff numéro 1, juste pour que tu puisses intégrer riff numéro 1 et ce lick-là, ou tout simplement pas te mélanger avec du rythme trop complexe. Oh, des questions. Pour jouer le trou 2, tu bloques le 1, puis après tu joues l'accord. Oui, c'est exactement ça, Desperado, c'est que je vais bloquer, j'aspire 1-2. Je bloque le 1 et après ça, j'ouvre un peu à droite pour aller chercher le 3. Et ce qui me permet aussi de me déplacer vers le trou 3 qui va être la prochaine note slappée. De Yangu. Tongue block du 2, j'ai pas bien saisi, mais pas grave, vais chercher. Comme je viens d'expliquer à Desperado, c'est vraiment ça. La langue à gauche. Ça peut être à droite, mais pour le moment à gauche, c'est plus fréquent. Triangle, le triangle, je vais essayer. Oh, Jim! T'es un vaudillois, ça paraît. Bonjour, Alcide. Donc, maintenant, comment intégrer le tongue block à des licks? Il y a des endroits clés. Si tu réfléchis trop, ça va être moins naturel. Si tu prends une bonne habitude, tu vas voir que, sans t'en rendre compte, tu vas l'intégrer dans ton jeu à défaut. Moi, si je regarde cette lick-là, je te pose la question. Il y a tire le 2, il y a pousse le 6, tire 5, tire 4, tire 3, pousse 4, tire 4, tire 5. Quelle note, d'après toi, est la première que je vais attaquer en tongue block ou en octave? Je te donne un indice en ce moment. Parce que quand on parle octave, veut dire 8, ce qui veut dire la même note, un peu plus aiguë, un do grave, un do aigu. Oui, Jean-Pierre, jouer des octaves. Ou que je mettrais un octave dans la ligne lick numéro 10. Je vais te jouer la lick juste pour te mettre dans l'oreille le temps que tu répondes. Michael, quand tu fais du tongue block, le moment bouché ici, tu souffres que les côtés droits, pas les deux côtés. Oui, Michael, il y a deux techniques ici. OK, les réponses commencent à rentrer, c'est cool, vous êtes rapide. Oui, Michael, le tongue block, tu peux le faire passif, ce qui veut dire que tu vas juste t'en servir pour isoler un trou et jouer une note à la fois, comme si je veux jouer au Susanna, exemple, en tongue block. Tu vois, c'est que je m'en sers pour isoler les trous. Après, je peux mettre de la rythmique, un genre d'accord en contretemps. Et après, je peux ouvrir de chaque bord de la bouche qui va me donner une octave. Ce qui va nous amener à la lick numéro 10, mettre un octave sur cette lick. Bon. Là, il y en a qui me disent déjà, Denis, Jean-Pierre, vous me dites, Christophe, vous me dites le 6, Eric, 6. Ludo, le 4, OK, 6, 4. Yves, le 5. Ce qui veut dire 4 plus 1. OK, en gros, OK, Christophe, 3, 6, 2, 5, 1, 4, parfait. Il y a des octaves accessibles pas pour toutes les notes. La première que je te recommande de maîtriser, c'est effectivement le plus 6, parce que c'est la note sol. On joue des blues en sol, en deuxième position, donc ça va être très, très efficace comme note. Ce qui veut dire que là, il faut que tu aspires 3, 4, 5, 6, qui est un défi au début de bien viser. Et là, tu vas mettre ta langue sur la barre entre le 4 et le 5, fait que ça va bloquer le 4e et 5e trou, et tu vas avoir le trou 3 à gauche, le trou 6 à droite, si tu tiens ton harmonica de grave à aigu, gauche-droite, et ça va te donner ceci. Ça amène un son riche, amène une largeur. Plaisir, Michael. Oui, le 4 tiré va être bon, mais écoutez bien, si je le mets à l'endroit du 6 poussé, ça fait 2-2 octaves du 6 poussé.
Et je peux même rajouter une slap sur le deuxième 6. Ou encore sur les deux 6. Ce qui fait que la lick qui sonnait déjà très bien vient de prendre un peu plus d'espace sonore. Fait que tu vois, tu viens de rajouter un accent quelque part. Pam, 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 do, 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 do. Fait que ça peut te permettre d'attaquer une note en particulier pour y mettre un accent et pour varier. Donc, tu rajoutes une épice dans une lick. Après, tu peux contraster avec d'autres épices. Pour le 2 tiré, tu pourrais mettre un vibrato qu'on va reparler un petit peu plus tard dans le cours. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est mettre un trille peut-être sur le vibrato. Slap, 5, trille le 4, 3, 4, 4, 5. On essaye ça. Fait que tu vois, tu peux permettre de décorer les deux sols. Yangu, c'est ça que je viens de dire, c'est que dans le fond, qu'est-ce que je fais pour avoir deux sols? Je pousse le 3 et le 6 en même temps en bloquant le 4 et le 5. Dans la playlist de Tongue Block, ma valse va vous aider beaucoup à placer les octaves. C'est juste un avant-goût, c'est juste des idées pour vous montrer à quel point cette technique est importante, plaisante, musicale et riche en couleurs. Ne pas délaisser le poker isolé avec les lèvres, c'est très bon aussi, je l'utilise énormément, mais ça vous donne deux options. Jean-Rion, Benjamin, peux-tu me rappeler ce que veut dire octave? Du 6 poussé. En fait, Jean, octave, dis-toi que si je compte sur mes doigts, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je retrouve à le 8e chiffre le retour de la note. Octave est juste l'origine de octo, je crois du grec, octopus, une pieuvre à 8 pattes, octogone, une forme à 8 côtés. Un octave, c'est la même note qu'on retrouve à une distance de 8 notes, mais plus aiguë ou plus grave. Donc, en jouant le 3 poussé et le 6 poussé, tu as deux fois la même note à un octave de distance. C'est vraiment une mesure. Vous allez entendre ça des secondes, des tierces, des quarts, des quintes, des septièmes, des octaves. Et ça va vous donner un peu la manière de mesurer les distances des notes. Super! C'est de la théorie. Je le sais que des fois, il y en a qui sont « Oui, j'aime pas bien ça, ça va ruiner ma musicalité. » Apprendre à mettre un S à chien quand tu écris les chiens n'empêchait aucun poète d'écrire des belles histoires, de la belle poésie. La théorie musicale n'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui va te nuire. Ça dépend comment tu l'approches, évidemment, et si tu le fais par plaisir ou par obligation. Ludo, ok, tu prends de l'avance. Toi, t'es dans le groupe, t'as vu ma publication par rapport à qu'est-ce qu'on va apprendre plus tard. OK, fait que ça, c'était une nouvelle chose. Après, je pourrais l'inclure ailleurs, mais déjà, si tu en as une à faire, je te dirais, fais un octave sur le 6 poussé, ça va être déjà un beau plus. Puis dans le blues, on va se le dire, juste faire la gamme, et quand tu arrives à la fin sur ton 6... ça rajoute une petite nuance, un petit effet qui va te payer beaucoup dans ta créativité. Parfait. Maintenant, oui, Denis, à ta question. Oui, OK. Je prends des questions, je me calme. Je me suis bu deux cafés. Je suis rendu sur le maté. Il faudrait que je respire un peu. Oui, quand j'ai fini mon octave ou je reviens en poker avec mes lèvres, ou je peux rester en poker que j'appelle... terme que j'utilise, poker passif, tongue block passif, ce qui veut dire ma langue isole le trou, mais elle ne fait pas de jeu de slap, d'octave, de flutter, de rien, c'est vraiment une manière d'isoler les trous. Fait que ma langue se déplace plus vers la gauche pour obstruer tout ce qu'il y a à gauche et garder juste à droite, et je pourrais rester en tongue block tout le long.
et même mettre le tri en tongue block. Il y a des super musiciens qui font exclusivement du tongue block. Et tu vas voir qu'à long terme, c'est une sonorité que tu vas déceler et tu vas pouvoir dire « Ah, ça, je crois que c'est du tongue block. Ça, ça doit être du pucker. » Et ça vient super intéressant. Il y a parfois une guerre de ces deux écoles-là. Fais qu'est-ce que tu veux, mais je te dis que tu as beaucoup d'avantages à être ouvert aux deux techniques plus qu'à essayer de empêcher une technique de rentrer dans ton jeu. Parfait! Pas de problème, Patrice, t'es en retard, mais tu vas pouvoir voir le reste en différé. Il en reste quand même beaucoup. Et le temps passe! Wow! Le seul fait, j'ai comme des maths. Il y en a qui n'aiment pas. Oui, et des fois, je pense que vous avez eu des cours obligatoires de solfège parce que c'est important, les bases de musique. Mais on vous a tellement forcé, vous a enlevé des points que vous avez resté un petit peu avec une crainte de faire des erreurs, de ne pas être bon en solfège, quand en fait, c'est juste quelque chose que tu peux apprendre pour le plaisir. Michael, tu fais des cours particuliers? Non. En ce moment, j'ai gardé quelques étudiants et même en privé, mais c'est beaucoup mes cours de groupe que je prends du plaisir à faire parce que ça me permet de voir plus de gens. Tu iras voir dans le lien. En ce moment, mon cours Vaudeville Blues, au lieu de donner 3 rencontres en direct, j'en donne une par semaine. Donc, tu as des tutoriels à chaque semaine, des pistes, des PDF. Et en plus, tu as un cours avec moi qui t'accompagne à guitare, qui te conseille et les autres harmonicistes de la coop. C'est vraiment des moments très privilégié et merveilleux pour moi, spécialement en temps de confinement. Là, pourquoi que 6 cours au lieu de 3, donc, t'y revoir dans la description, vous devez le voir. Salut François! Bon, écoute, t'as manqué, le début, j'ai dit, on peut mettre des slaps sur un riff. On peut mettre des octaves dans une lick. Et là, on arrive à la pièce. Et là, attention, j'ai pensé à mon affaire. Je me suis dit, comment que je peux te faire jouer ou des octaves, si tu es capable, ou une mélodie, peu importe t'es rendu où, que tu isoles à peu près ou pas beaucoup, te ramener un concept vaudeville, parce que c'est mon but, te faire rire, placer une difficulté de plusieurs qui est le rythme, et trouver un titre cool. Et tout ça, messieurs, dames, je l'ai fait de manière très, très, très simple en utilisant ceci. Bon, là, j'ai manqué ma shot parce que théoriquement, tu aurais dû voir le titre de la pièce. Est-ce que je peux te faire ça en live? Attends, on va voir. Yeah! Bon, là, c'est mieux. On va le garder de même. Octopus à 3 cœurs blues. Pourquoi? Écoute, tu viens déjà de le savoir, octo veut dire 8. Un octopus, terme anglais pour une pieuvre, 8 pattes. Fait que c'est un aide-mémoire. Déjà, tu viens d'apprendre la théorie avec un concept, une pieuvre. Et ensuite, à 3 cœurs, parce que hier, en faisant des recherches, quand je tourne en rond, je fais des recherches web, j'aime beaucoup ça, apprendre des nouvelles choses, et j'ai appris qu'une pieuvre a 3 cœurs. Elle en a un pour chacun de ses branchies, et en a un pour lui ou pour elle. Et je trouvais que c'était très symbolique du blues parce que si je te fais un blues basé sur les octaves, octopus va à merveille, et le blues, le cœur d'un 12-bar blues, d'une mélodie blues, l'accompagnement d'un blues est souvent 3 accords, the 1, the 4 and the 5, le pourquoi que tu vas me voir faire souvent ceci. Dans un blues en sol, on a un accord de sol, un accord de do et un accord de ré. Sol c'est G, do c'est C. Et Ré, c'est D. Donc, ceci dit, même si tu ne connais pas le titre, que tu ne comprends pas ça, ce n'est pas grave. Tu vas être capable de jouer ceci pareil. Comment j'ai fait ça? La semaine passée, on a vu comment jouer un riff et intégrer un rythme. Quelque chose de simple, de facile, d'amusant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ce concept-là pour jouer la pièce. Premièrement, je te donne 2 options. Si tu ne fais pas d'octave, pousse un des 2 trous. Ça pourrait être le 6 ou le 3. Prends celui que tu veux. Si tu fais des octaves, écoute bien. Ça fait octave. C'est le premier terme. 2, 3, 4. Je refais. 2, 3. Je ne suis pas un fan de 2, 3, 4, claquer des doigts, j'aime bouger. Donc, on va faire ça un petit peu plus funky, un peu plus vaudeville. Tiens-toi bien. On va faire, tu joues l'octave 3, 6 ou la note 6.
Et là, tu trouves trois percussions corporelles. Je te donne quelques choix. Le pied, je vais moins l'utiliser aujourd'hui parce que tu ne le verras pas. La poitrine. Un, deux, trois. C'est bien, mais c'est un son, j'en veux trois. Une fois, ça peut être le poing fermé, le poing ouvert. Sinon, t'as ta joue. Ou t'as ta bouche. Après, tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu claques des doigts, tu tapes le front, tu t'apportes des clochettes, des shakers. Mais ça va te donner tout simplement ceci. Et là, tu ne pourras pas manquer tes temps parce que tu vas te flageller pour être certain de rester sur la pulsation. Maintenant, si je continue la mélodie, la deuxième barre, la deuxième mesure, ça va faire 1 et percussion, 3 percussion. Fait que là, tu fais 2 octaves. Là, ça se complique, attention. Ce qui veut dire, je te résume les deux premières barres et ça va être pas mal l'essence de toute la pièce. Ça fait pomme, percussion, banane, pomme. On réessaye ça. Si tu as un enfant, c'est le temps de lui montrer une chorégraphie. C'est lui ou elle qui peut même créer ta chorégraphie. Ça fait des beaux moments par enfant. Si tu n'en as pas, amuse-toi. Tu vas voir, ça va finir par être quelque chose de très, très, très amusant. Je te le refais. 3, 4. Est-ce qu'il y en a jusqu'à maintenant qui arrivent à le faire? Je vais le refaire plus lentement. Fait que je fais la note, tap, 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 banane, banane, tac. 3, 4. Bonjour, Zortu, tu arrives au parfait moment. Donc, ça donne des options de percussion simples et on le répète deux fois. Je te le fais. Fait que là, on a quatre mesures qu'on a une percussion pour chaque temps de pause. À long terme, tu vas pouvoir t'amuser un peu à le varier. Didier, comment je trouve le 3 et 6? Il fallait être là au début, tu peux juste jouer le 6 pour le moment. Tu regarderas en redifféré. Oui, Christophe, attention, ne mettez-vous pas les doigts dans les yeux. Super, Coco à gère. Maintenant, Jean-Pierre est plein de bleu. Oui, restez relax. L'idée aussi, c'est de amener un peu d'humour dans votre pratique pour ne pas être trop cérébral. Ça va vous détendre. Souvent, on vient par être crispé quand on pratique des choses. Et de rajouter cette espèce d'élément-là, vous allez être capable de, un, être plus solide dans le rythme. Quand vous n'allez plus avoir à faire des percussions, vous allez être vraiment plus solide pour tenir vos mélodies. Et si à un moment donné, vous voulez jouer avec un coco, vous allez déjà avoir un petit peu plus de réflexe. Will, encore en retard, c'est pas grave. Je vais Toto te faire donner des claques, ça va t'apprendre. Jérôme, trop concentré pour faire des notes, c'est pas grave. Vous pouvez l'écouter aujourd'hui, vous pouvez juste jouer les accords. Cool, Cyril, si c'est la première fois que tu arrives à lire, c'est parfait. Tu vas avoir des partitions de même, il y en a beaucoup. OK, là, on s'en va à la deuxième ligne où les barres 5 à 8. Là, c'est un accord de C, un accord de Do. Donc, je vais aller chercher un octave de Do. Et là, mon 4, c'est un Do. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Le 7 poussé est un autre Do. Alors, si je pousse 4, 5, 6, 7 et ma langue va se bloquer le 5 et le 6. Je vais avoir un octave de Do. Si tu souffles trop fort, les octaves, tu vas descendre à hauteur de la note puis ça va te donner un battement comme ceci. Pas très plaisant. Relax, tu n'as pas besoin de défoncer ton harmonica. Il faut juste être capable d'y aller doucement. J'ai un seul harmonica en C pour mon prochain G. Est-il un bon choix?
pour le blues. Oui, Karachi, un harmonica en G, c'est super pratique pour beaucoup de styles, dont le blues. Parfait. Donc, là, pour les mesures en C, ça fait banane 2, 3, 4. Banane 2, 3, 4. Donc, j'ai gardé ça simple. 4, 7, 2 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et si je rajoute la percussion? Et là, on revient sur la même chose qu'au début. On fait octave 3, 6. Et après ça, banane, clac, pomme, clac. Je vais un peu vite, tu vas pouvoir le réécouter. On peut mettre des onomatopées, des yeah, des ho, des clins d'œil. Si tu joues devant des gens, que ce soit par Internet ou en vrai, toutes ces petites... chorégraphie, ces petites subtilités-là rajoutent à l'expérience de l'auditeur, t'aident à prendre la confiance et à devenir vraiment une personne de scène qui amuse la foule et non juste quelqu'un qui joue une pièce et qui s'attend que les gens écoutent assidûment la mélodie. Il y a des moyens de garder l'attention des gens et crois-moi, ces petites choses-là vont t'aider beaucoup. OK, donc je résume du début jusqu'à la première ligne et la deuxième ligne. Attention! Je vais jouer tout. Tu peux jouer avec moi. Je fais un décompte. 1, 2, 3, 4. Tu rajoutes plus de percussions, ça va être plus impressionnant, mais au début, c'est de placer tout pour t'amuser. Et donne-toi une chance, ça se peut qu'au début, ça soit un petit peu exigeant. Je refais tout, mais avec juste les notes 6 et 4 poussées. Hey! Bref, tu vois, tu as le droit à l'erreur. L'idée, c'est de s'amuser. Et maintenant, on arrive à la fin. Je vais remonter la partition un tantinet, maintenant que tu as vu le titre. Là, je m'en vais faire parce qu'on arrive sur l'accord de D, de Ré. Fait que ça va être le 4 tiré ou le 1-4, c'est la même note. Hein? En octave. Je peux même mettre une slap. Oui, Yangu, le 1-4 est très, très, très cool. Et ça te permet de jouer un semblant d'accord de Ré, vu que tu ne l'as pas. Donc là, j'ai gardé ça simple. Je fais Ré, Ré, 3 percussions. Do, Do, là, au lieu de faire 4 et 7, je fais 1 et 4. C'est encore... toutes des Do, 1, 4, 7 et 8, et 10. Donc, tu fais les choix que tu veux. Je fais les mesures 9 et 10. 3, 4. Et je reviens à banane, clac, pomme, clac du 6. Et après ça, je termine avec ré, ré en banane. Donc, si je te fais les 4 dernières barres un petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. Ha! Puis tu pourrais même mettre des ananas à la fin pour accentuer ta 12e barre. Voilà, ça c'est le 12 bars, la mélodie. Comme je te dis, tu prends aller à une note. L'idée c'est de jouer de quoi? De réintégrer le 12 bars blues et de faire de la percussion pour placer ton temps. Si tu sens que tu as de la difficulté à tenir le temps, ça est de la bombe, ça va t'amuser, ça va t'entraîner autant à faire une belle performance visuelle que de sentir les temps, sentir les silences, de ne pas penser que tu es en pause. Maintenant, je prends quelques questions et je la rejoue le temps que tu me poses des questions et après ça, je vais répondre à tes quelques questions avant d'aller dans le vibrato. Et 1, 2, 3, 4... Yo!
Ce qui donne un peu des idées d'exercices à faire. En même temps, ça te fait bouger. C'est bon, l'harmonica, on finit par être de même. Les épaules, j'ai mal aux mains. Ça va te permettre de défaire un peu ces tensions-là. Et surtout d'amener, comme je te dis, autre chose dans ta pratique que pratiquer des notes, des gammes, de la technique et espérer sonner et faire un beau spectacle et être déçu des fois de tes premières performances parce que tu étais tellement tendu que tu n'as comme pas pris plaisir à le faire. C'est normal, ça va évoluer. OK, je prends quelques questions par rapport à tout ça. J'ai un harmonica en C et un en G avec les guitaristes, j'utilise plus le C. Oui, Christian, ça dépend des pièces du répertoire du guitariste qui va t'accompagner. Et des fois, si c'est avec un chanteur, faites attention parce qu'eux, ils vont beaucoup s'ajuster à leur voix. Ça se peut qu'ils mettent un capot. C'est les choses à parler au début avant que le jam commence. On peut faire n'importe quel blues en C transposé en G sans changer les notes. Sans que ça... Somme, pas faux. Michael, en fait, quand tu as un harmonica en C, tu joues du blues en G très fréquemment. Il y a d'autres options, mais là, c'est qu'on appelle ça la troisième position, cross harp, ou tout simplement jouer en sol, c'est un instrument en do. J'ai des tutoriels qui expliquent quelle tonalité choisir par rapport au guitariste, mais déjà là, je te confirme, on est en sol sur un instrument en G. On t'entend pas bien ton 7 ou c'est mon... je pourrais pas te dire. Ceci était mon 7 Yangbu, j'espère que tu l'as entendu. Will, donc si j'ai bien compris, un octave, c'est un accord avec un tongue block de façon à souffler les notes annoncées. Non, un accord, c'est plusieurs notes en accord avec elles-mêmes. Un octave, c'est vraiment la même note à une distance de 8. Exemple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu viens de jouer la gamme de Do sur un octave, ce qui veut dire que si tu prends juste le Do grave et le Do aigu... Oh mon Dieu! Il n'y a pas d'option, hein? Le Do aigu, ça va te donner un octave. Exemple, 1-4. Voilà. Mais comme je dis, harmonica, vaudeville, valse, tongue block, vous allez voir un petit peu plus d'informations sur le tongue block. De retour, merci. 69 poussées, c'est cool aussi. Oui, Christophe, c'est ça. Là, Christophe amène de quoi? Et c'est que le 6 et le 9, c'est encore un octave. C'est l'octave de sol, mais un registre plus aigu ou un octave plus aigu. Ce qui peut donner d'autres options aussi. Pierre. écoute, si tu vas aller jouer dans les hôpitaux, c'est peut-être moins populaire en ce moment, mais ça va faire beaucoup de bien, Pierre, d'amorter de la musique ailleurs. Oui, c'est de la folie, mais c'est de la belle folie. Michael, question. Quand je fais beaucoup d'altérations à la suite, j'ai du mal à la mâchoire, c'est normal. Une solution pour pouvoir régler ça. Michael, de un, si t'as mal, c'est que t'es trop raide, t'es trop... Tu forces, donc tes altérations ne sont pas encore bien maîtrisées. Ça prend pas de force pour faire une altération. Il y a une musculature buccale qui va s'installer, mais plus tu es délicat, plus ton son va être affiné. Plus il faut que tu forces, plus que tu es au début de l'aventure. Ce qui veut dire que, exemple, si je veux faire pouce 6, tire 5, tire 4, bend 4, et que mon 4 altéré est toujours plus fort que le reste... et que ma face a de l'air de vraiment forcer, c'est que j'ai du raffinement à faire. Pense à essayer de jouer tout pas fort. Vos altérations, le jour où tu regardes les jouer doucement, pas fort, tu es vraiment au bon endroit. Versus... C'est ça qui me fait comme déjà me douter du niveau d'un joueur si toutes les altérations sont très caricaturales, trop fortes tout le temps et manque de contrôle ou s'il y a des contrastes. Donne-toi une chance, prends des pauses, mais pense à jouer pas fort. C'est souvent une belle option. Denis, est-ce que tu pourrais nous l'envoyer en PDF? Je vais le mettre
sur la page Facebook Harmonica Woodville, dans le groupe Facebook Harmonica Woodville, jouer, rire, échanger, et dans les discussions YouTube. Si tu ne l'as pas, écris-moi et on va trouver une option. C'est clair, ça va me faire plaisir de te la partager. Ben, plus difficile en tongue block. Différent, c'est juste que tu as moins fait d'altérations. Souvent, les gens qui jouent avec les lèvres et qui arrivent à faire des octaves ou un peu de tongue block sont heureux. Et là, ils se rendent compte que tu peux, oui, altérer en tongue block. Il faut changer le travail. Je ne veux pas trop en parler parce que je veux garder du temps pour le vibrato, ce qui me reste plus beaucoup de temps. Mais tu peux penser à essayer une piste, si vous voulez bender en tongue block, qui peut être intéressant. Pensez que vous bendez avec juste la moitié de votre langue. C'est une exploration, c'est pas l'option, la seule et tout, mais commencez déjà par, mettons, je sais pas. Ça va déjà te donner des pistes. Mais oui, ça se fait, mais c'est normal que si tu as de la difficulté à cause que tu commences à bender en tongue block avant que tu faisais avec tes lèvres, c'est juste un processus d'apprentissage. François, oui, écoute, pratiquer et profiter de ce temps-là. La question sur CG, c'était pour la deuxième position sur C, mais harmonica en sol. Non, si vous prenez un harmonica, peu importe la tonalité, j'ai pas de G proche, si vous jouez une pièce genre au Susanna, puis vous changez d'harmonica, exemple, j'en ai un G, que je joue un... Et après, je prends un harmonica en G, ça va changer de tonalité, mais ça reste la même mélodie dans les mêmes trous, si je le tiens du bon côté. Donc, tout ce que vous apprenez, peu importe l'harmonica, accordé Richter, ça va marcher. OK, maintenant, on s'en va à dernière étape du cours, qui est initiation au vibrato. J'ai réfléchi beaucoup parce que beaucoup de gens me demandent « Benjamin, je vais apprendre du vibrato. » C'est une technique qui demande du temps, qui demande de l'amour, de la patience. Surtout de la patience parce que si tu as de l'amour, si tu as du plaisir, ça va arriver, mais tu ne gardes pas ton focus sur le but, tu gardes ton focus sur le moment que tu as du plaisir et à un moment donné, tu y arrives par défaut. Comme si tu es sur la route dans un véhicule avec des amis et tu as tellement de plaisir que tu ne te rends pas compte et pouf, tu es arrivé à destination. C'est le but que je veux te permettre de faire pour le vibrato. Au lieu de te dire, ce sera pas long, on arrive-tu bientôt? Non, ça sera pas long, on arrive, il en reste encore un bout, ok, ça sera pas long. Et éventuellement, tu n'es même plus envie d'arriver au vibrato. Je te dis, on est là, puis tu me dis, je vais retourner chez nous. Donc, on va y aller, relax. Je vais te montrer une première astuce. Christophe, pour les pièces, tu le fais au tempo que tu veux que ça fonctionne. Si tu as trop de difficultés, puis tu te mets les doigts dans les yeux, ralentis. Ok, je me concentre sur le... En fait, le vibrato, il y a deux choses qui reviennent souvent sur tous les tutos que j'ai pu voir, que les manières de l'expliquer. C'est qu'il y a des fois une discussion sur qu'est-ce qu'un vibrato, qu'est-ce qu'un trémolo. Il y a des écoles de pensée, il y a des gens des fois qui vont se confronter dans leurs idées. J'adore ça, je respecte ça, j'apprends beaucoup en écoutant les autres. Aujourd'hui, je vais te montrer une manière de mettre du rythme dans la note. Il y a beaucoup qui vont dire le trémolo. En gros, on va se concentrer sur le deuxième trou aspiré et le troisième trou poussé, vu que c'est la même note. Théoriquement, si je chauffe le 3 et je tire le 3, ça ne devrait pas faire... Si ton deuxième trou n'est pas encore placé, le vibrato, tu peux peut-être l'écouter, mais donne-toi une chance, ça va venir par après. Bon, Manuel, ça fait longtemps... Regarde, moi, ça m'énerve, ça fait longtemps que je pratique le vibrato, et c'est pas ça. Il faut pas que tu t'énerves. Il va arriver, il faut que tu te donnes une chance. Puis quand il va arriver, tu vas être tellement heureux, rempli de bonheur, que ça va avoir valu la peine. Si tu t'énerves, tu te raidis, c'est encore plus long. Si vous voulez gagner du temps, souvent, vous allez en perdre si vous prenez pas le temps d'avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser le 3, tirer le 2. Pousser le 3, tirer le 2, puis on va penser à 4 pommes. Pomme, 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 pomme. On pousse le 3. Ça se peut qu'il y ait une variation d'hauteur, c'est ta gestion d'air, c'est peut-être ton harmonica, peu importe. Pour le moment, c'est pas grave, je veux juste entendre un 3 poussé et un 2 tiré. 4 fois encore, et dis-le avec les fruits parce que ça va être utile pour qu'est-ce qui s'en vient. Pomme, 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 pomme. Bonne journée, Jérôme!
Maintenant, on va le faire en banane. Fait que là, tu vas pousser le 3 deux fois, tu vas faire ha ha. Comme un peu ha ha. Tu vas rire. Pense vraiment que tu ris. C'est pas tu veux pas forcer. J'ai rarement vu des gens rire et forcer en même temps. Tu ris. Tu vas faire ça dans ton 3 poussées. Juste rire. Ça, tu vois, on va souvent nommer ça un trémolo. C'est que tu coupes ton son comme si ta gorge frappe ha, 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 et ainsi de suite. Ça va créer une pulsation. Donc là, on va essayer de faire des bananes en pulsation, genre ha, 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 ha. Fait que pousser, tirer, pousser, tirer. Banane, 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 banane. Faites-les pas en octave tout de suite, faites-les simplement 3 poussées, 2 tirées. Là, on est rendu dans le vibrato, je garde ça simple. Maintenant, on va y aller avec des ananas. On va faire la même technique, mais là, on va faire 3 fois le 3 poussées, 3 fois le 2 tirées en faisant ha, 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 ha. Et tu peux le pratiquer sans l'instrument. Si tu es capable de rire, puis ça a de l'air que tu ris, ha, 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 ça va bien. Si ça ressemble à ça, c'est lettre, c'est pas vraiment beau et ça va pas sonner bien, donc détends-toi. On rit dans nos instruments, 3 ananas, en ananas, 3 poussées, 2 tirées. 3 ananas, 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 ananas. Et c'est là que ton challenge commence. Si tu te mets devant un miroir et que tu vois cette face-là, t'es sur la mauvaise voie. Il faut que ton visage soit plaisant à regarder. Et maintenant, on finit avec les petits kiwis. Bon, tu vois, François était déjà rendu au petit kiwi. Donc, on le fait, on le dit 4 petits kiwis et après ça, on commence sur le 3, pousser, 2 tirer. Petit kiwi, petit kiwi, petit kiwi, petit kiwi. Et là, on se retrouve tout simplement avec un exercice fabuleux qui fait 4 pommes, 4 bananes, 4 ananas et 4 petits kiwis. Je le dis, je le joue. Je le dis, je le joue. Attention! Pomme, 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 pomme. Banane, 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 banane. Anana, 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 anana. Petit kiwi, petit kiwi, petit kiwi, petit kiwi. Et tu finis sur l'accord tiré et tu viens de faire un super exercice qui va te permettre de déjà réveiller ton corps pour arriver à faire du vibrato. Par après, on va utiliser cette même technique-là de salade de fruits. Pour tout ce qui va être le vibrato, mais je veux que cet exercice-là soit compris, joué, que tu t'amuses avec, que tu regardes n'importe quel tutoriel sur YouTube, j'en ai écouté plusieurs, tout le monde va te faire faire ça progressivement en noir, en deux croches, en triolet, en quatre doubles. J'aime bien mes fruits, donc je les utilise. Et l'exercice, sans les dire après, peut être une belle chose. Aller-retour, 4 pommes, banane, ananas, petit kiwi, ananas, banane, pomme. Ça fait vraiment un peu un côté méditatif aussi. Commence lentement, ça aide. 3, 4. Oh, en poussette. Après, tu peux t'amuser à mettre des effets de main, peu importe. Et prochain cours, on va voir comment transposer ça pour aller retrouver un peu l'espèce de vibrato qu'on voit souvent les gens utiliser dans le blues, dans le rock. Wow.
qui va nous amener à ça, qui va demander un peu d'altération. Mais pour aujourd'hui, je m'en tiens à ça parce que déjà avec ça, tu as beaucoup de belles choses. Tu vas prendre de la facilité, de l'aisance. Et quand on va rentrer dans les exercices précisément pour le vibrato, tu vas avoir déjà une belle base, une belle fondation et ça va vraiment se faire plus rapidement. OK, je prends quelques questions avant de terminer ce cours. Petit kiwi pourri, ne t'en fais pas, Jean, ils vont remûrir. Tu fais ça pour détendre la gorge, Jean-Pierre? Il faut toujours être détendu, je te le dis, c'est... Des fois, tu vas mettre plus d'énergie dans ton jeu et oui, tu vas te crisper, mais si tu ne relâches pas cette énergie-là, elle s'accumule et elle ne sort pas de la bonne manière et elle va même te nuire. Donc, ce côté-là, pensez de rire, pensez, regardez-vous dans le miroir sérieusement, tu vas gagner beaucoup à avoir la face détendue parce que si tu as une face plaisante à regarder, qui a de la relaxe, drôle, tu vas avoir de la difficulté à garder l'attention. C'est vraiment quelque chose de testé. Par moi, évidemment, et que je vois chez les étudiants, le jour que je te regarde et que j'ai envie de rire parce que tu as de l'air souriant, tu es sur la bonne voie et là, les meilleurs résultats vont arriver. Michael, pour aujourd'hui, diaphragme, gorge, tout ça, moi je te dirais, ris. Si tu as le feeling de, quand tu ris, tu te poses pas la question, est-ce que tu ris par la gorge, par la bouche, par le diaphragme ou dans ton corps, tu fais juste il y a tout ça qui se met en place naturellement. Utilisez votre instinct, votre naturel, avec des images, des fois, ça va être plus rapide comme résultat que si vous concentrez à essayer de voir où est le diaphragme. Après, on va reparler, mais pour aujourd'hui, pensez la solution, la clé, c'est rire. Si tu n'es pas beau, la meilleure chose pour t'aider, ça va être de rire. On peut le faire juste avec la main droite. Le vibrato n'est aucunement qu'une main que tu tiennes, ton harmonica. Ou l'autre main. Ça va aller des deux bords. Mais sur les aigus, est-ce qu'il y a une technique qui marche? Oui, Manuel, ça marche. Personnellement, je vais en reparler dans le prochain cours. J'aime mieux... Un vibrato un peu différent que je trouve que j'ai plus de facilité à rendre moins agressif et plus comme proche de qu'est-ce que j'entends à la guitare, au violon. Qui va utiliser beaucoup l'altération, le bend, sans trop l'utiliser. On en reparle, mais oui, dans les aigus, tu peux faire ou tout. Cette espèce de trémolo-là qui va t'amener un vibrato. Merci Benjamin. Oui, Marie-Lette, tu vas voir. Puis rappelle-toi, il faut que tu te regardes et que tu aies du plaisir à faire « Ah, waouh, cette personne-là a de l'air souriante et à s'amuser. » C'est ça qui va vous aider le plus. Michael, vibrato sur overblow. Oui, encore une fois, ça va être plus proche de l'altération, de l'oscillation avec un bend. Parce qu'un un overblow, tu peux le monter. Donc, tu peux jouer avec cette hauteur-là. Et l'utiliser à différentes fins. Ce que je veux dire, c'est en tapotant la main sur le corps d'harmonica. Oui, c'est un autre sort de vibrato qu'on va parler aussi, Christian. Qui donne un effet. Mais je garde ça pour le prochain cours. Yves. Salut, merci, tout de même, c'est pour moi autant que... Attends. C'est le début d'un long chemin. Non, si tu vois ça comme un long chemin, c'est long, c'est pas le fun. C'est le début d'une aventure, tu sais pas quand tu vas y arriver. C'est peut-être plus rapide que tu le penses. Tu vas être surpris, peut-être que tu vas avoir tellement de plaisir à marcher sur la route que tu vas même pas te rendre compte que ça fait un bon moment puis tu vas te réaliser un jour que waouh, tu as tout fait ce trajet-là. Et tu n'as même pas jamais trouvé que c'était long, que c'était plate. C'est vraiment le but. Pourquoi? Donne-toi une chance. On peut-tu bender une note? Oui, François, tu peux bender et faire du vibrato. On en parle le prochain cours pour ça. Si tu dois citer trois harmonicistes blues, lesquels?
Karachi, je vais te renverser la question parce que si tu t'en vas dans ma playlist Harmonica Woodville, j'ai une playlist harmoniciste, tu auras plein d'influences. C'est très personnel. Si tu viens dans le groupe Harmonica Woodville, jouer et échanger. Des fois, on partage des harmonicistes et là, tu peux en apprendre beaucoup. Il y a les incontournables, mais on dirait que pour chacun, selon les styles, il y a des harmonicistes qu'on ne connaît pas, que d'autres personnes y ont affectionné particulièrement. Et je lancerai ça comme question. Vous, c'est quoi vos top 3 harmonicistes blues qui vous ont influencé? Pas les meilleurs, pas les plus importants dans l'histoire, les plus importants pour toi. Ça pourrait même être ton oncle qui t'a fait jouer de l'instrument. L'histoire m'intéresse moins que ton histoire. Donc, si tout le monde dans les commentaires écrit son top 3 harmonicistes personnel, je sens qu'on pourrait faire des belles découvertes tout le monde et ça servirait beaucoup plus que si moi je dis mes 3 harmonicistes qui m'ont influencé. Si je vois vous en mettez beaucoup, je vais mettre les 3 miens, évidemment. OK. Eric, oui, il y a plusieurs paliers à franchir. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est une aventure, c'est plaisant. Il ne faut pas qu'il y ait de fin à ça. Il faut juste avoir beaucoup, beaucoup de belles découvertes. Messieurs, dames, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. On va se revoir la semaine prochaine pour le prochain jeudi live durant le confinement. 13h du Québec, 19h heure de France. Si tu viens dans le groupe Harmonica Woodville, jouer, rire et échanger sur Facebook, on a des rencontres, plus des échanges et partages, des discussions d'harmonica geek phénoménale, de l'entraide. J'ai mes vendredis 5 minutes pour répondre à tes questions et répondre, donner la réponse du quiz du groupe. Et si tu es dans le cours Vaudeville Blues, on se voit ce dimanche parce qu'à chaque dimanche, on se fait des rencontres pour jouer ensemble en face à face avec les autres, avec moi, jammer, voir comment jouer avec un guitariste, jouer avec 2 harmonicas, 3 harmonicistes et ainsi de suite. Il y a déjà des bons noms qui rentrent. La chose, c'est que si tu l'écris dans le chat, il ne sera pas dans les commentaires, donc allez l'écrire dans les commentaires une fois le cours terminé. Super! On finit avec un petit jam de la fin. Je pars la piste. Il reste une minute. Donc, merci à toi. Passe une très, très belle journée. J'espère que ce cours-là, tu l'as apprécié. Tu peux me faire un petit pouce vers le haut si tu as aimé ça. N'oublie pas d'écrire ton top 3 des harmonicistes dans les commentaires. Viens me rejoindre sur la page Facebook Harmonica Woodville. Si tu as des questions, tiens-moi au courant, ça va me faire plaisir de t'aider. Et dans tous les cas, garde ton harmonica avec toi en tout moment. Je vais justement raconter une histoire dans le groupe après ce live. Merci Chris, c'est juste le début. Tiens-toi.